Alors, la formation de développeur web et web mobile a pour vocation de rendre opérationnel au bout de 4 mois d'enseignement en présentiel des personnes sur les métiers de développeur sur la partie front et sur la partie back. Ça veut dire concrètement qu'en sortie de formation, ces personnes sont capables de travailler dans des agences web pour créer des sites web, y compris des sites web complexes, mais aussi dans le domaine de l'industrie, dans tous les domaines où on a besoin du code. Donc c'est une formation qui a une montée en compétences rapide et réelle demandée par les entreprises sur le marché actuellement. Alors, cette formation permet ensuite de se positionner sur plusieurs métiers, le métier de développeur web, évidemment, front et back, donc sur l'intégration et sur le développement, mais aussi tous les métiers de l'industrie qui peuvent avoir, de l'industrie et de toutes les sociétés de services y compris, qui ont besoin de coder en interne, notamment sur leurs logiciels, pour les maintenir à jour. Alors, pour intégrer cette formation, aucun prérequis, elle est ouverte à tout le monde, quel que soit l'âge et le niveau de formation. Vous aurez des tests d'entrée à passer, un test de culture web, un test de logique pour vérifier que vous connaissez l'outil informatique, que vous le maîtrisez et que vous avez une logique suffisante. Ensuite, un entretien de motivation parce que la motivation sur ces formations, elle est essentielle. Alors sur les valeurs privilégiées pour intégrer cette formation, les compétences privilégiées, je dirais la curiosité, il faut une curiosité pour le monde du web parce que vous devrez vous adapter en permanence aux évolutions du code notamment, et aussi peut-être une facilité d'adaptation et le travail en équipe surtout parce que ce sont des métiers où on travaille beaucoup en équipe. Alors nos formations, ce sont bien sûr des compétences techniques, mais c'est aussi une découverte. Vous êtes dans des groupes extrêmement mixtes où chacun apporte des compétences et il faut voir aujourd'hui l'apprentissage du code comme vraiment un plus sur n'importe quel CV et ne pas se limiter au métier de développeur web qui est celui qui vient naturellement à l'esprit, mais bien avoir conscience que dans les années qui viennent, toutes les entreprises auront besoin de codeurs. Donc c'est un champ vaste et infini pour vous, pour vos futurs postes. Thank you.